Eh bien voilà, la conférence de presse de Nintendo vient de se terminer. C'était la dernière des trois constructeurs. J'ai envie de dire que c'est un peu unanime. Hein. C'était une conférence assez plate, assez ennuyante, voire même catastrophique, déprimante. Pour beaucoup, les fanboys de Nintendo sont un peu restés sur leur faim. Ouais. L'Aurélie, le premier, hein, j'ai l'impression que... Tes impressions là, à chaud et sois honnête avec toi-même. Voilà, malheureusement, je suis obligé d'être honnête. J'ai toujours été fan de Nintendo depuis ma plus tendre enfance. Et là, malheureusement, coup de couteau dans le dos, là, comme ça. Vous exagérez un petit peu quand même. Alors, ils ont présenté la Wii U, évidemment, mais malheureusement, très très peu de jeux. Alors, un Mario, évidemment, sur Wii U, avec des beaux graphismes HD, des petits Yoshi qui crachent des bulles, voilà, la possibilité de jouer à 4, la possibilité d'utiliser la tablette pour balancer des blocs, pour aider les autres, ceux qui sont sur l'écran. Ça fait un peu léger. Ouais. Un Pikmin, pareil, très joli, mais qui va pouvoir jouer avec le pad, on pourra plus facilement manier les Pikmin, avoir une vue d'ensemble de la carte. Voilà, quoi d'autre? J'ai vraiment du mal même à trouver. Il y a une notion sur laquelle ils sont revenus à plusieurs reprises pendant la conférence, c'est le gameplay asymétrique. Oui. Donc en fait, c'est 4 joueurs qui sont équipés d'une Wiimote et un autre joueur, le cinquième, qui sera équipé du gamepad. Voilà. Et donc voilà, ça. Donc, selon eux, voilà, ça pourra. Il y a par exemple un petit jeu dans le manoir hanté de Luigi où 4 joueurs se déplacent et essaient de chercher un fantôme et le cinquième joueur, lui, fait le fantôme sur le pad et c'est le seul qui voit tous les autres. On avait déjà vu ça un peu l'année dernière. C'est, je trouve, la seule idée brillante qu'ils ont eue pour servir dans cette tablette qui, pour le reste, ne sert que d'inventaire, de cartes, de scanner. Enfin, c'est vraiment... je suis très déçu. Nintendo, d'habitude, il trouve une technologie intéressante et il l'exploite avec des idées brillantes. Là, j'ai pas vu les idées brillantes et je suis vraiment déçu. Oui, voilà. Enfin, moi, quelque chose que j'ai pas compris, c'est que... Nintendo veut, avec la Wii U, reconquérir le cœur des gamers, les vrais joueurs, parce qu'ils sont un petit peu mis à dos, tous ces gens-là, avec la Wii, le succès qu'on lui connaît. Et moi, j'ai pas trouvé dans cette conférence voilà, des jeux gamers qui me donnent envie. Alors certes... Pas de Zelda, pas de Zelda annoncé en tout cas, pas de Mario Kart, pas de F-Zero, on en rêvait un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a pas de grands jeux pour gamers. Finalement. Oui, voilà, mais même au-delà des grandes licences de Nintendo qu'on connaît, les éditeurs tiers, il y avait quoi? Il y avait Ubisoft, il y avait Warner, bon, mais c'est essentiellement des jeux qui sont déjà sortis sur des consoles actuelles. Je pense à Mass Effect 3, je pense à Batman Arkham City dans une version Alors tu peux diriger le Batarang avec le pad. Voilà, mais voilà. C'est pas suffisant, mais c'est pas ça qui va me faire acheter une Wii U. Donc voilà. Zombie U peut-être de Ubi, qui était pas mal. Ouais, bon, moi ça me fait penser, si tu veux, à... Ce qu'ils nous vendaient déjà avec la Wii, avec la Wiimote auparavant, très honnêtement, les gamers, ils n'ont pas adhéré à ce genre de choses. Donc voilà, ce discours pour les gamers aujourd'hui, je trouve qu'il est complètement raté et ils se sont vraiment dirigés dans une autre voie. Satoru Iwata n'était même pas là pour nous faire une démonstration de quoi que ce soit. Miyamoto est venu avec un petit Pikmin dans la poche, par oui, contre. Oui, voilà, il est resté quoi, il 5 est parti minutes. Longtemps. Voilà, donc bon, non, franchement, l'ambiance était glaciale dans la salle. Des gens sont sortis avant la fin de la conférence. C'est une grande première. Ça, quand c'est même. Peut-être la clim, Maxime. La clim était au maximum, tout le monde était tout bleu, c'était terrible. C'était peut-être l'angoisse, finalement, la dépression qui pointait. On va peut-être se remonter le moral sur le salon, on va essayer d'aller la voir, cette Wii U, peut-être qu'on pourra changer d'avis. Oui, voilà, exactement. Ah, on l'a entre les mains. J'y crois pas trop. Heureusement, là, on commence tout de suite avec une démo de The Last of Us, qui est vraiment le coup de cœur de la rédac à ce jour. Donc je pense qu'on va retrouver le sourire. Ça va te remonter le moral. Très bien. Bon, on ira quand même voir les gens de Nintendo sur leur stand, histoire de leur tirer un peu les oreilles. Donc rendez-vous à nouveau sur Jeux Actu pour d'autres vidéos en direct du salon, cette fois-ci.